Bienvenue sur ma chaîne, chers amis. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, guidance intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ceux qui résonnent. Je me répète à chaque fois. Allez, il y a quoi là? Une invitation, quelque chose, une réunion, quelque chose pour vous apprendre quelque chose. Une invitation, une réunion à quelque chose qui va éclairer peut-être votre chemin. On vous parle de coup de chance sur le désert, sur la période où peut-être les choses ont été compliquées. Alors, soit vous avez une invitation qui arrive et qui va vous révéler certaines choses ou éclairer votre chemin. Et on nous parle de chance et d'aridité, les amis. Et on a les études et le succès, donc... Il y a quelque chose de prometteur là qui arrive et qui se passe à travers soit une invitation. On vous révèle quelque chose aussi pour certains. Il y a des informations, voilà, je vais y arriver. Il y a des informations qui vont arriver à vous, soit au sein d'une réunion, soit au sein d'une invitation. Et on vous parle d'un coup de chance pour réussir quelque chose et sortir d'une période de désert. Peut-être qu'on va vous apporter des solutions. On vous parle de rapidité et de suivre le mouvement, les amis. Il y a une évolution qui vous attend à la clé. Il y a une évolution. Donc là, pour moi, on va vous révéler des informations. Alors, soit je vous dis, ça passe par une réunion, un échange. Ça peut passer également par une invitation, quelqu'un que vous connaissez, un moment de partage avec quelqu'un. Et on vous révèle quelque chose là. On vous révèle un secret là. Il y a quelque chose qui jusque-là n'était pas dévoilé. On vous révèle une information importante qui va vous guider pour sortir d'une impasse peut-être ou pour aller dans une direction qui est faite pour vous. Voilà les amis. Alors cette information, on est en train de me dire que vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. En haut, ils sont en train de me dire, on va vous la donner, cette information. Donc, laissez faire les choses, en fait, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà, après, ça peut être une information que vous avez au cours d'une invitation avec des amis. Vous êtes invité à quelque chose, ben voilà, vous allez entendre parler de quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a tout ça. Mais on est en train de vous dire qu'on va vous révéler une information importante. Et je vous dis... On me dit en clairaudience que vous n'aurez pas besoin d'aller la chercher, cette information. On va vous la donner. Voilà les amis, alors pourquoi voilà, se prendre la tête? Ça va vous être amené sur un plateau d'argent. Voilà. Alors avec le corbeau, aujourd'hui, j'ai la magie de la vie, moi. Donc de laisser faire la magie. Alors c'était, je ne sais plus quel jour où on avait cette notion de magie de la vie. Et bien là c'est pareil. On est en train de vous dire, on va vous apporter une coupe. On va vous apporter quelque chose. Alors on me dit sur un plateau d'argent. C'est rigolo ces images que j'ai. Donc en fait je pense que cette image elle est juste là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez rien à chercher. Que vous n'avez rien à forcer. Que l'univers va faire en sorte de vous révéler la bonne information au bon moment, que ce soit par l'intermédiaire d'une réunion, d'un échange avec quelqu'un, d'une invitation. Voilà, il y a tout ça qui se joue, les amis. En tout cas, voilà. Donc, laissez-vous guider. On nous parle d'espoir et de chance, hein, quand même, et de réussite, hein. Et au milieu, il y a la période de désert. Donc, peut-être que certaines personnes sont dans une période de désert ou ne trouvent pas des solutions. Et il y a une révélation d'une information importante qui va vous aider justement à sortir de cette période, à trouver des solutions. Et c'est un coup de chance, on vous parle. Mais le coup de chance, pour moi, c'est la vie qui œuvre pour vous apporter ce dont vous avez besoin et vous guider dans la bonne direction. C'est beau, hein? Donc, révélation importante. Donc, on va voir la suite, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Il y a du renouveau qui vous attend par rapport à ça. Le bonheur. Bon, ben c'est quelque chose, de toute manière, avec la chance et un engagement, la justice, un équilibre de vie. Il y a, en fait, ça vous guide vers un renouveau qui sera davantage équilibré. Ça vous guide vers un renouveau qui est fait pour vous, avec le bonheur. Ça vous guide vers un nouvel engagement. Ça vous guide à équilibrer l'aspect de votre vie dans lequel vous êtes dans le désert, quoi, en fait, hein. L'enfant, c'est aussi le retour à la joie de vivre, au bonheur. Donc on a le bonheur et l'enfant, donc il y a cette notion de retrouver aussi peut-être de la légèreté, de la joie de vivre et un meilleur équilibre avec la justice. Peut-être que vous allez donc avoir cette information qui va vous permettre de vous engager dans une direction.
Enfin voilà, en tout cas, tout est positif là, les amis. Et mais ça passe par la révélation de quelque chose qui, voilà, que qu'en haut ils doivent vous communiquer. Hein. Voilà les amis. Hein. Il y a vraiment cette notion que on va vous passer une information importante, les amis. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la souffrance. Donc, je pense que certaines personnes sont avec le désert et la souffrance. Peut-être ont essayé des choses, plein de choses. Ou sont tombés sur des relations et tout ça, mais qui ont été au final quelque part un peu plus, enfin de la souffrance ou le fait de pas être complètement bien quoi en fait. Donc ça c'était un apprentissage certainement, une expérience à vivre, mais aujourd'hui vous êtes prêts à passer à autre chose les amis, avec cette information qui arrive à vous et on nous parle de rêve et de reprendre son pouvoir. Donc moi pour moi cette information importante, elle est là pour vous guider vers la voie de votre rêve, de vos rêves, et de reprendre un certain pouvoir sur votre vie, de peut-être trouver des solutions pour sortir d'une phase de stérilité dans quelque chose. Voilà, hein, ça va vous amener à quelque chose de mieux, de plus équilibré, de plus agréable, et voilà, et vous ne pouvez pas passer au travers, et vous n'avez rien à chercher. Donc j'ai envie de vous dire de profiter des bons moments et de laisser la vie venir telle qu'elle doit venir. Et que au moment où vous devrez avoir cette information importante pour vous guider, vous l'aurez. Voilà, c'est tout. Et alors, on est en train de me dire qu'on va vous donner l'information importante, que ce n'est pas la peine de vous prendre la tête, de chercher, de mentaliser les choses. Ça va arriver à vous malgré tout. Mais on est en train de me dire également, j'ai perdu du coup le fil de ce que je voulais dire. Mince. Ah oui, voilà, ça y est. Que du coup, cette information, vous saurez qu'elle est importante aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire un truc et vous n'allez pas le voir passer ou pas en prendre conscience. Hein. C'est que derrière aussi, ça va venir vous faire tilt. Ça va venir vous permettre, enfin vous saurez que cette information elle est très importante pour vous pour la suite et que c'est ça qui va vous aider à trouver des solutions par rapport à quelque chose hein. Soyez serein, laissez-vous porter et vous pourrez pas passer au travers et vous saurez que c'est l'information voilà, qui doit être transmise, vous le saurez, donc pas de panique hein. De penser que vous pouvez passer à côté. Regardez, on nous parle de cadeaux du ciel, de bénédictions, de mains tendues qui arrivent de façon très rapide avec la foudre. Et ça vous sort d'une période d'instabilité, ça vous ramène un meilleur équilibre, une harmonie de vie. Et c'est le retour à l'harmonie et vous sortez de façon imprévue aussi. Hein. C'est-à-dire que peut-être que cette révélation, elle va avoir un effet très révélateur pour vous, très choc quelque part, mais positif. Vous allez dire, ouais, ça y est, ok, j'ai compris, cette révélation, elle arrive pour m'aider à sortir d'une situation. Vous le saurez et tout va s'enclencher après derrière. Hein. Et de façon rapide avec la foudre. Hein. Ou alors, ça va vous provoquer quelque chose en vous qui va être assez fort, quoi, assez puissant, cette révélation. Hein. Voilà, en tout cas, toujours pareil, on laisse faire les choses elles vont se dérouler comme elles doivent se dérouler, et pour celles et ceux qui doivent recevoir cette information, de pas paniquer, vous allez la recevoir. Avec le 8, vous reprenez votre pouvoir, avec les honneurs, la réussite sur quelque chose qui peut-être vous porte à cœur, vous tient à cœur avec le rouge, ou pour peut-être de sortir d'une période où vous avez ressenti un sentiment de colère ou d'injustice, ça le peut aussi. Il y a quelque chose. Alors, on me parle de récompense quand même, avec le 8. Donc, il y a une réussite, il y a une récompense, et cette révélation est là pour vous guider vers ça, quoi, en fait. Hein. On a la réussite, les honneurs, avec le 8, il y a la notion aussi de reprendre le pouvoir sur votre vie. Voilà, les amis. Donc, ben, on aime bien quand même. Donc vivement qu'on reçoive cette information révélatrice, là, hein, cette information, regardez, la reine de bâton, elle reprend son pouvoir, elle reprend sa motivation, elle reprend son énergie, sa volonté, elle est décidée à sortir d'une impasse, de quelque chose qui est désertique, qui est stérile. Et à cette personne, la vie va amener une information pour être guidée dans quelque chose, on vous dit que c'est un véritable coup de chance, vous aurez peut-être un choix à faire.
par rapport à ça. Mais bon, vous saurez prendre par la suite les bonnes décisions. Il y a un retour à l'équilibre, les amis, sur une période d'insatisfaction, de choses qui ont été difficiles. Bon, ben voilà, on est toujours dans cette même dynamique d'énergie, de retrouver quelque chose de doux et agréable et d'équilibré par rapport à une période d'insatisfaction. Il y a la notion de choix. Peut-être que cette information révélatrice là qui arrive à vous, elle va vous permettre également d'aller vous ouvrir des portes, tout ça, puisqu'il y a quand même la notion de choix à faire après, hein, derrière. En tout cas, vous prendrez les bonnes décisions pour moi, parce que vous êtes malgré tout guidé par la vie. Donc, vous prendrez les bonnes décisions pour aller vers un meilleur équilibre. Et il y a la notion de réussite et de chance, quoi. Donc, on est toujours dans ce registre où c'est positif, les amis. Voilà, donc une révélation extrêmement importante qui arrive à vous, là. Une information qui doit vous parvenir. Et on vous dit de profiter des bons moments. Ouais, dans la notion de profiter des bons moments, c'est-à-dire que comme avec ma canalisation, j'entends que de toute manière, cette information, elle va vous être donnée, que vous saurez que c'est l'information, que c'est cette information qui va vous débloquer une situation ou trouver des solutions. Voilà. Et bien là, on vous dit lâchez prise, quoi. Cherchez rien. Ça va arriver tout seul à vous. Et y a la notion aussi de profiter des bons moments, de vous détacher des choses qui ne sont pas solutionnées, parce qu'on va vous apporter ce qu'il faut pour réussir à solutionner ça et retrouver cet équilibre. Donc, et j'entends, ça va être mis sur un plateau, ça va vous arriver sur un plateau d'argent, et je regarde mon horloge, il est 11h11, les amis. Donc là, c'est puissant. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder mon podcast qui explique les heures miroirs et qui explique aussi les séquences de chiffres, si ça vous intéresse. Vous le retrouvez dans ma playlist conférence. Voilà, les amis. En tout cas, voilà. Donc, très puissant. 11-11, hein. Tiens, il faudrait regarder ce que ça veut dire. Je ne me rappelle plus dans la... Je vous invite à écouter ma conférence. Voilà, vous aurez le message supplémentaire de cette guidance avec cette heure miroir 11-11 qui tombe là. Donc, en tout cas, voilà. Donc, on vous dit vraiment de prendre la vie peut-être de façon plus légère, avec profiter les bons moments, de ne pas vous inquiéter plus que ça, parce que la vie va vous amener ce dont vous devez, enfin, ce que vous devez avoir pour vous guider dans la bonne direction. Que les périodes de désert, elles ne durent jamais. Donc, qu'à un moment donné, ça s'arrête. Hein. Une vie, ce n'est pas une vie de désert. Il y a des hauts et des bas. Ça fait partie des cycles de la vie. Je pense qu'il faut plus être dans l'acceptation que dans on lutte, on force. Moi, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, vous prenez que si ça vous parle. Et voilà. Et du coup, ben, attendez-vous à avoir des informations ultra importantes qui vont arriver. Et je vous dis, ne cherchez pas, parce que ça va arriver tout seul. Voilà, ça va vous être apporté sur un plateau d'argent. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye.